Edil Quenois, je suis l'intendant de Valenciennes et je fais ma 20e saison au club. Et là on part faire le vestiaire pour le match. J'arrive au centre sur les coups de 8h du matin. Je range le linge qui reste de l'entraînement de la veille, je vérifie les malles. Et ensuite je charge la camionnette. Direction le stade pour faire le vestiaire. Et puis après on finit la journée, on attend les joueurs pour la collation de l'après-midi. Et puis après c'est enfin l'heure du match, la vérité. Et là on est dans la VDI et on va arriver au vestiaire. Oh, j'en ai pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Temps de tout mettre correctement. Il y a des joueurs comme Sébastien Rodet, Laurent Dos Santos, ou même Geoffrey Cuffo. Bon, il y en a plein, les Robay, Mauricio. On est des super mecs. Après, là, j'ai mon petit Juju avec qui je m'entends très bien parce que ça fait très longtemps qu'il est au club. Mais après, il peut y avoir des petits jeunes comme Joachim. On a une grosse différence d'âge, mais on s'entend super bien parce que c'est des bons mecs. C'est un beau bébé quand même. Ah oui. Toi, il est... Et lui et Joachim, c'est la même année. Mais... 18 balais, toi. Les mecs, ils savent que s'ils ont besoin de moi, je suis toujours là. S'ils peuvent m'appeler. Ils peuvent m'appeler, m'envoyer des messages tout le temps, il n'y a pas de problème. Je suis toujours là pour eux parce que c'est mon rôle et j'aime bien faire ça. Quoi. Ouais, c'est... De toute façon, le match, c'était le meilleur moment de la semaine. Et préparer le vestiaire, ouais, c'est quand même un truc assez important. Et c'est même gratifiant de pouvoir mettre comme ça les maillots des mecs dans un vestiaire. On est une équipe pro, on a la chance de le faire. Quoi. Je l'ai vu la première fois.